أَنزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La paix soit sur vous. C'est notre troisième jour, et ce troisième jour, dans la suite de notre histoire, après avoir parlé de ce qui s'est passé avant la création, puis ensuite de la conception de l'homme, est-il bon, est-il mauvais, il y a un moment qui est particulièrement important dans le Coran. C'est le moment où il y a la transmission du langage. Et la transmission du langage, elle est importante parce que vous savez, il y a mille et une théories sur comment le langage est venu à l'homme, à l'être humain, mais il y a une chose sur laquelle nous sommes finalement tous d'accord. Le langage verbal, le verbe qui distancie le mot de son objet, est une spécificité de l'homme. Parmi toutes les espèces, le langage est tout à fait particulier. Alors nous reviendrons sur un certain nombre de théories, mais ce que nous trouvons dans le Coran, dans Sourate al-Baqara, c'est une affirmation extrêmement claire de ce que Dieu fit, de ce que Dieu donna à l'homme, et de ce qui va le distinguer. Ça va le distinguer de toutes les autres espèces, mais également des anges. Parce que ce qui nous est dit dans le Coran, « A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika, faqala anbi'uni bi'asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. » قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ce qui nous est dit ici, il a enseigné à Adam les noms de toutes choses, puis il les a exposés aux anges. Et il dit aux anges, فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Renseignez-moi sur le nom de tous ces éléments, si vous êtes parmi les véridiques, et eux de lui répondre, « Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana. » Louange à toi, que les louanges te soient faites, nous n'avons de connaissance que celle que tu nous as donnée, parce que tu es celui le plus connaissant et tu es le sage. Ce verset-là, il n'a l'air de rien, il apparaît comme ceci dans une sourate, mais il est extrêmement instructif. Il nous enseigne un certain nombre de choses, et d'abord il faut s'arrêter. D'abord, premier élément. Alors, je pense que je vais pouvoir tirer de cela, pour la courte durée de notre session aujourd'hui, en tout cas quatre enseignements. Le premier enseignement, c'est « Il a enseigné à Adam les noms de toutes choses ». Première des choses qui est importante pour nous, c'est qu'en fait, ce qui nous est dit dans la tradition islamique, c'est que l'homme, dans l'ordre de la création, vient avec une caractéristique tout à fait particulière, qui veut dire en l'occurrence que nous ne sommes pas contre la création et l'évolution dans la création. Nous ne sommes pas contre cela. Il y a effectivement El khalaqa wa sawwara, Dieu a créé et il a donné forme aux éléments dans l'histoire. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais avec l'homme, il y a quelque chose de tout à fait particulier, comme si dans l'évolution, à un moment donné, la création de l'homme intervient avec une qualité tout à fait particulière, c'est qu'il reçoit la capacité de la parole. La capacité de la parole, est, en remontant inductivement, elle est la capacité de la verbalisation, elle est l'expression de la conscience et de la conscience de soi. On sait aujourd'hui que des animaux ont une conscience ou peuvent avoir une conscience d'eux-mêmes quand ils se voient dans un miroir qui est relative. Mais la conscience de soi qui passe par la médiation du verbe, elle est le propre de l'homme. C'est vrai aujourd'hui de tout ce que l'on sait scientifiquement, et on retrouve ceci évidemment chez des philosophes anciens qui se sont posé la question, chez des linguistes, c'est-à-dire que ce que dit de Saussure sur le caractère conventionnel du mot et qu'il y ait quelque chose qui ne soit lié à rien d'autre qu'une convention parce que c'est arbitraire, ou que vous ayez jusqu'à Noam Chomsky qui est encore vivant et qui parlait de la structure profonde, de la grammaire transgénérationnelle, eh bien tout ça ce sont des théories sur le langage jusqu'aux philosophes, que ce soit Derrida, que ce soit Bergson auparavant, etc. Le Coran nous dit une chose plus simple et en même temps plus directement liée
à la condition humaine. C'est-à-dire que nous avons, avec notre création, la connaissance de cette langue, et cette connaissance va être spécifique de notre réalité, de notre relation à nous-mêmes et à Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons parler au nom de notre conscience et recevoir le Verbe au nom de notre mission en tant qu'être humain. Nous recevons le Verbe et nous avons la conscience de dire et nous avons la conscience de recevoir, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Sourate Ar-Rahman également. « Allama al-Qur'an » Allamahul Bayan, est-il dit deux versets plus tard, c'est-à-dire il reçoit le Coran, il lui a enseigné le Coran et il lui a enseigné à exprimer, à dire les choses, dans deux versets sur les quatre premiers versets de Sourate Ar-Rahman. Ici, ce premier enseignement, il est important parce que c'est ce qui nous spécifie, comment, en l'occurrence, nous avons à nous comprendre en tant qu'être humain et comment le Coran répond à cette question originelle de l'origine de la langue. Deuxième enseignement qui est intéressant, c'est qu'en fait, si nous lisons le Coran, Dieu parle aux anges et les anges lui parlent, mais ils ne connaissent pas la langue des hommes, ils ne connaissent pas les mots. En d'autres termes, il y a bien une langue qui n'est pas notre langue, qu'ils se parlent sans qu'ils aient usage de notre mot. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs langages. Il y a plusieurs langages. Les anges ne connaissent pas les mots qui sont les mots de l'humain, mais ils parlent à Dieu le langage qui est le leur. Dieu connaît tous les langages. Nous ne connaissons pas le langage des êtres invisibles. Et les êtres invisibles n'ont pas accès à la langue qui a été donnée à l'homme. Alors nous savons que parmi les signes, dans Sourate Ar-Rum, il est dit « Wamin ayati ikhtilaf alsinatikum », c'est-à-dire « ikhtilaf alsinatikum », c'est-à-dire la diversité de vos langues. Mais il y a la diversité de vos langues entre les différents peuples, et puis il y a la diversité des langues, parce que nous savons aujourd'hui que les différentes espèces ont des langages à eux, c'est-à-dire, ou à elles, les espèces, c'est-à-dire entre les poissons, entre les entre les singes, il y a une langue qui est une langue non verbale, qui permet la communication sans forcément la conscience de soi. Elle est la langue de l'instinct, pas la langue de l'intelligence et de l'intellectualité. Ça, c'est aussi un élément qui est important. Troisième des enseignements que nous pouvons tirer de ces versets et qui sont importants aussi dans l'ordre des choses, les anges célèbrent les louanges de Dieu en permanence. Ils ont la grandeur de la louange, mais ils ont la limite du savoir. Et ce qu'il leur sera demandé plus tard, c'est de se prosterner devant l'homme. En d'autres termes, il y a dans le langage et dans l'intelligence un des éléments de la dignité de l'homme. Pourquoi? Parce que la langue va lui permettre d'avoir la conscience de soi, mais elle va lui permettre deux choses. Elle est liée à deux choses. La langue de la conscience de soi va lui permettre de faire des choix. Donc l'homme a la liberté. La langue, l'expression de soi et de la conscience, va exprimer une communication. Il aura les choix des mots et il aura le choix des actes. Et ça, c'est ce que n'ont pas les anges. Deuxième élément, c'est que la langue, c'est le véhicule de la connaissance. Et donc, à partir de là, nous apprenons à connaître, nous pouvons connaître, et il y a de la dignité dans la connaissance. Donc, l'homme a une dignité. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons donné la dignité à l'être humain par cette langue qui va lui donner la liberté et qui va lui donner la possibilité du savoir. Dernier enseignement qui est important, c'est encore une fois ce que les anges disent et ce dont nous devons nous rappeler. C'est qu'ils rappellent à Dieu qu'ils connaissent les limites. « La ilma lana illa ma 'allamtana. » Nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as donné. Et notre relation à la connaissance, c'est toujours de reconnaître que Dieu est plus savant. On dit « Allahu Akbar », Dieu est le plus grand, mais on dit aussi « Allahu A'lam », Dieu est plus connaissant. Et meilleur connaisseur, il a la connaissance. Et l'alim, celui qui a toute connaissance,
il a plus de connaissances que tout ce que nous pouvons avoir. C'est-à-dire, la reconnaissance de notre dignité se marie avec l'identification de l'humilité dans le savoir. Et de ce point de vue-là, c'est particulièrement important dans ce rapport à la langue et de ce rapport à la connaissance. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.